dirait que tout le monde dort encore. Chouette alors, on peut y aller. Il faut que tu prennes la bleue là-haut. Encore un coup de ces garnements. Oh. J'ai l'impression que je vais faire du rangement aujourd'hui. Et que je ne vous y reprenne plus. Et j'ai aussi beaucoup de lessive à faire. Et moi, je comprends surtout que je vais finir par craquer. J'en peux plus. Ça suffit comme ça. Tiens, ça te fera encore plus de lessive. Quel garnement. Ils ont fait tomber tous mes pots de peinture, ces petits imbéciles. Évidemment, dès que ça va mal, toi, tu disparais. Tu ne t'intéresses pas à mes problèmes. Ah, tiens. Et en plus, je suis pas tout seul. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Is, mais elle est énorme, cette cuillère. Mais c'est la cuillère que je porte autour du cou. Comment a-t-elle pu grandir aussi brusquement? Mais il n'y a pas que ma cuillère. Ah, un monstre! Oh, c'est toi? Mais comment as-tu pu grandir? Oh, je n'ai pas grandi, c'est vous qui avez rapetissé. Mais c'est pas croyable. Comment j'ai pu rapetisser? Je n'ai pourtant absolument rien senti. Et en plus, je n'ai jamais eu autant de lessive à faire. Bon, allez. Allez, au travail. Il va déjà falloir que je sorte ce baquet dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je suis moi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais à me regarder? Rends-toi utile et sors ce baquet immédiatement. Et voilà. Comment ça, et voilà? C'est tout ce que tu es capable de faire? Je t'ai dit, sors-moi ce baquet. T'es devenu sourd? Oh, tout de même, j'aime mieux ça. Petite fatigue. Tu peux dormir, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Mais je ne sais vraiment pas comment faire ma lessive. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais quand même pas passer toute ma vie sur cet arbre. Oh, et en plus, il pleut. Oh, monsieur le corbeau! Excusez-moi, vous pouvez me rendre service? Moi, je ne laisse jamais une personne du sexe faible en difficulté. Je suis madame Pepperpot. J'habite la maison juste en dessous. J'avoue que j'ai un peu rapetissé. C'est vous qui me donnez toujours à manger, je me souviens. Bien sûr que je peux vous rendre service avec plaisir. Merci, vous voulez m'aider à descendre? Pas de problème, accrochez-vous. Merci beaucoup. Il va falloir apprendre à regarder où vous allez.
C'est pas vrai. Une inondation maintenant. Il faut que je trouve un abri. Continuez, Jean. Oh, la pluie s'est arrêtée brusquement. Oh, même le ciel se fait ma tête. Oh, merveilleux, la pluie. Il a fait le travail pour moi. Oh, c'est mon mari qui rentre déjà. Il va avoir une attaque s'il me voit dans cet état. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, oh. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vous tiens. Alors là, là, je vous tiens. Je vous tiens, là. Je parie que c'est vous qui avez accroché le linge dans les arbres, n'est-ce pas? C'est pas nous. C'est vrai, on jure que c'est pas nous. Chérie, j'ai attrapé les vauriens qui t'ont pris ton linge. Chérie. Oui. Ah, non, ne gronde pas, les enfants. C'est moi qui leur ai demandé de suspendre le linge pour le faire sécher et puis de le rentrer ensuite. N'est-ce pas, les enfants? Mais faites bien attention aux grimpants dans les arbres. Oh, c'était pour ça. Oh, oh. J'ai toujours dit qu'ils savaient être adorables, ces petits.